Jean-Richard s'était assis devant l'auberge, sur une des chaises mises là durant la bonne saison pour tenter le passant. Donc personne. Si bien, mais l'aubergiste doit être occupé à la lessive derrière la maison. Annette ! Annette ! Voilà, voilà. Ah, au moins vous avez bien choisi votre jour pour la pujade, seulement faudrait pas faire attendre le client. Hein. Mon pauvre Antoine, vous avez pas un petit moment, vous prendrez le temps de mourir, faut pas toujours aller. Oh, dame, ces premières chaleurs, ça ira. Et puis votre malheur, vous n'êtes peut-être plus aussi adroit. Je suis plus bon à rien. Ah, ils m'ont arrangé ça. Un accident? Oh, un fameux accident. Un accident pour tout le monde. Ah, la guerre? Ouais, cette garce de guerre. Voilà comment on en revient, quand on en revient encore. Moi, j'ai eu de la chance. Évidemment. Vous avez votre pension. Leur pension, elle est jolie. Et puis, combien de temps qu'ils la paieront? Où c'est que vous voulez qu'ils prennent l'argent, puisqu'ils ne veulent pas toucher au gros? Tout de même, ça aide. J'aimerais encore mieux mes deux jambes. Je me foutrais pas mal d'eux. Non, seulement, j'ai eu de la chance. Je suis revenu. Je pouvais si bien y rester. Vous comprenez? Donner un morceau de sa peau, tant pis. Mais toute sa peau, ah, ça. Jean-Richard sentit une présence. Gilberte. Enfin, vous me reconnaissez. Vous avez mis le temps. Gilberte Dumontel. Comment êtes-vous ici? C'est une autre question. Mais d'abord, je vous préviens que j'ai changé d'état civil. Et vous prie de ne plus l'oublier. Madame Louvière. On ne peut oublier ce qu'on ignore. Puisque vous tenez à des compliments, venez que je vous les fasse. Soit. Allons voir si notre banc est toujours à sa place. Oh, Jean, voici notre banc. Venez vite. Tenait dans ses bras le cher fardeau. Elle respirait doucement, comme un petit enfant. Elle était à son aise. L'écriture de Gilberte. Mon chéri. Mon chéri. Je suis folle.
Tu vas me mépriser. Mais j'ai trop souffert. J'aime mieux perdre ton amour et me perdre moi-même et ne plus endurer ce martyre. J'ai passé cette nuit sans sommeil. Je tremble toute. À l'instant, au petit jour, je viens de commettre une mauvaise action. Il est trop tard. Je ne puis empêcher l'irréparable. Pardon. Pardon, mon amour. Tes lettres si chères, tes lettres de passion et de flamme, je les ai envoyées tout à l'heure à cette Pierrette. On m'a mise au courant. On m'a écrit de là-bas. Je ne voulais plus que tu l'aimes. Je ne voulais plus. La malheureuse, elle avait fait cela.